plus quoi. On va essayer voir si le levier jaune d'en bas fait quelque chose, mais j'y crois pas trop. Tu sens que c'est quand je m'agace, c'est quand je commence à... Eh ben non, le levier jaune d'en bas, il fait rien, quoi. Non, t'en vois pas. Non. Non, toujours pas. Mais qui pour lui désactiver ce maudit levier jaune? Parce que là lui il veut pas. Non, le levier là on peut rien faire avec. Le but de la pièce, tout simplement, c'est d'arriver en bas à droite, de désactiver cette lumière rouge, tu vois, où il me manque un levier à poser. Pour pouvoir sortir. Or là je ne peux pas. Parce que si là je vais dans la lumière, je suis bizarre. Enfin, non, je vais même pas y aller parce que ça sert à rien. Ok, le fantôme du haut il a complètement abandonné. Salut Horus! Ah mais quel con, putain, concentre-toi, débile. Salut, bonjour, je suis un chat random. Dépêche-toi, putain! Bon, allez, on peut y croire. Non, mais ce qui me gave, c'est qu'à chaque fois, il faut recalibrer tous les fantômes quand tu fais un déplacement un temps soit peu différent. Quand tu veux. Voilà, là on arrête le machin et là on recommence. Allez dépêchez-vous les deux cons. Ce serait pas une porte qui communiquerait avec un rond à droite. J'ai pas je sais pas, j'ai l'impression, mais tu vois,
En haut à gauche, il y a une porte, hein, ça c'est sûr, mais... Mais voilà. J'avais pas de réponse à ça. En haut à droite, à côté du levier. Ah, pas bête. On dirait une porte aussi. Effectivement. La texture était pas évidente. J'ai envie de dire. Ah, je crois que c'est ça. Vous savez quoi? Je vais même pas aller tester. Je vais descendre. Je vais faire ma petite tambouille. Alors, sauf que lui, par contre, on va lui dire maintenant tu restes là et tu bouges plus, connard. Voilà. Non, c'est pas... Ah! Oui! Oui! Je suis où? Ok, mais alors le truc pas cool là, c'est qu'il faut que je me retape tout le bazar à l'envers. Ok, je crois avoir trouvé une solution. Vas-y, vas-y, voilà. Putain, par contre, la hitbox de la porte, c'est ça les gars, c'est ça. Là, il y a du bon, là, il y a du lourd. Là, il y a de la crème sur le boulgour, ma gueule. Par contre, je crois que les fantômes ne peuvent pas prendre les portes. Merci, Todd Bolly. Donc, ce qu'on va faire. Toi, tu vas partir, comme ça, d'un panneau charmant. Tu vas aller désactiver E2. Tu vas rester là. Non. Les deux oiseaux, là-bas. Je vais vous désactiver les pièges, vous inquiétez pas, on va bien s'en sortir. Alors vous allez monter. On va monter, on va monter. Faire un peu plus vite par contre, si c'est possible, hein, si c'est pas trop te demander. Est-ce que vous pouvez prendre les portes, vous les fantômes? Oui, ils peuvent, ok. Très bien. Une fois que tu vas être là, pas faire chier. Tu vas aller là, tu vas en maintenir comme ça, d'une manière mainteneuse. Ça va être très bien. Et ce qui va se passer, c'est que toi là-haut... Et tu vas être obligé de rester là. Donc... Merde. Je sais pas si ça va marcher en fait. Là, faut que je me bouge le fion. Ah mais putain. Qui est con? On va refaire. Parce que toi en fait... Non. Chut. Toi en fait, tu vas venir. Comme ça. Tac. Je vais te débloquer la porte. Tu vas arriver. Tac. Tu vas ouvrir aux deux cons là. De quoi ils vont passer? Après, je vais te laisser ressortir. Tu vas venir t'occuper de Jean Galfion, là. Oui. Allez, vas-y. C'est bon, j'ai trouvé. Ouh. Merci Jonathan pour les 5€, c'est super sympa. On se rapproche petit à petit de ce nouveau PC qui pourra streamer en 32 FPS. Voilà. Et réussi.
fait, c'était moins compliqué que ça en avait l'air si j'avais vu la texture de la porte en haut à droite. Donc merci aux gens qui me l'ont pointé du doigt en me disant mais c'est là du con. Alors lui, il s'est pris le mur, c'est super. Oh putain, j'ai cru que ça allait pas marcher. Oui, par contre, j'ai pris la texture de la porte. Hey, salut Will Nord. I'm sure fixing lights fell on tax cuts. Putain, l'inertie du perso quoi. Mais est-ce qu'elle clignote ou est-ce qu'elle What was the name of that receptionist that worked here? Deborah? Diane? Dolores? That's right, Jennifer. Hmm. Ok, ce puzzle était très bizarre. Est-ce que tu peux me retirer ce qu'il y a à droite parce que c'est vraiment gênant en fait. Oh là là. Oh là là ma gueule. Premier puzzle. Complété. PGM Pro Gamer. Allez vas-y, fais-moi le grand écart. Oui. Ok. Salut toi. Alors qu'est-ce que tu vas me faire toi mon con? Faudrait que j'arrive à désactiver le jaune qui est en haut. N'est-ce pas, Billy Bob? Est-ce que tu peux me faire ça, toi? Est-ce que tu pourrais bien me désactiver le jaune? Quoi, mais y a pas de lumière là, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis con. Alors, hop. Oui, j'avoue, la trappe passe à travers l'échelle. Hein. Ne commencez pas à critiquer tout le jeu, s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. Tu veux pas te déplacer? Allez, vas-y. Allez, vas-y, coquinou. Eh oui. T'es bloqué. Ah merde. Non. Putain, je suis pas con... Je commence à voir le cerveau qui passe à travers les chaussettes là. Vas-y, quand j'appuie sur courir, j'aime bien que tu cours, par contre. Allez, premier puzzle, ça c'est bon. Mais j'ai deux petits cocos en bas. Pourquoi tu t'énerves toi là-bas? Ok. Pourquoi j'appuie avant de finir l'action quoi. Le problème c'est que j'analyse pas du tout le tableau.
Alors toi, il me semble que ce que je te fais faire, c'est... Merci, Xalise. Avant de parler de trappe et de toucis, tout ça. Alors, on va éteindre là. Qui va venir faire ça. Changer ton rôle maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir comme ça là. Tu vas désactiver cette merde. Tu vas monter, t'es un petit fourbe des prairies. Dépêche-toi. Dépêche-toi par contre. Oui, non, mais Dodlin dans la pièce. Like you just don't care, hein. Ça donne quoi là? Non, 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 non. Oh, merde. Envoie tout, Gilou. Il lâche en fait, je comprends pas. Je fais n'importe quoi. Bienvenue, plus. Allez, Jean-Michel Imper est dans la place, donc voyons. Qui est-ce que je devrais faire ça? Salut, monsieur l'inconnu. Clac, 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 clac. C'est dommage qu'on puisse pas dézoomer la pièce, quoi, parce que franchement, j'aurais bien besoin de voir. Salut, je suis Casse de Revenge. Waouh. Waouh. Ça, c'est du prout. Parce que j'imagine que je dois descendre. Donc. Non, 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 non. Recte par la lampe, Bansko Zomazio. Merveilleux. Eh, les contrôles des fois. Pouille pouille élastico quoi. Alors voyons. Mm-hmm.
dommage qu'on t'ait mourir ce soir. Déjà, j'aimerais bien savoir où Renoir doit aller en fait. Oui, stop. Salut Marcus BN. Où est-ce que Renoir doit aller? Est-ce que je peux aller dans la pièce là-bas? Si je pouvais déjà passer là. Je peux faire ça. Lui. Ah mais cette lampe là, je la désactive comment? D'accord. Allez-y, envoyez mes petits loups. Merde, j'ai pas vu, désolé. Merci pour le follow à la personne qui a... Ah, j'arrive pas à comprendre là, c'est en train de m'embrouiller le cerveau. Si tu meurs, pense à bien éteindre tes lumières avant, tu vas galérer sinon. Quoi? Ah, oh, c'est pas le passage le plus glorieux là. Ah, puis alors, il y a les manivelles à gérer. En fait, je sais pas. Voyons. Ne paniquons pas. Est-ce que je peux pas, moi, gérer plutôt celle qui est à droite? Genre toi, là, Gérard, qui ne fout jamais rien. Tu viens ici, là. Tu gères cette lumière d'une manière que seul toi en a le secret. Toi, Patrick, tu viens ici et pareil, tu fais jouer ton petit poignet. Voilà, et vous vous cantonnez bien à votre rôle, bande de cons, vous avez compris? Prononce-toi Jean-Gérard. Non, bon, pas toi, mais c'est pas grave. Tu viens comme ça, tu rectes, flamme! Je sais pas pourquoi tu ne fais ça. Et après, tu montes. Enfin, non, je devrais peut-être te gérer après, toi. Voilà, toi. Mais non, toujours pas toi, putain. Jean-Théodule. Tu viens, tu mets un petit coup de manivelle à 10 secondes. Voilà. Ce qui fait que toi, Jean-Patrick, qui clignote en ce moment même, tu peux venir comme ça et faire chibaloup et monter. Mais... Clic-clac, padawak. Non, remonte, fils de pute! Ok, c'est pas grave. On va lancer l'action comme ça déjà pour commencer, pour essayer de faire passer Renoir de l'autre côté. Tu ne bouges pas. Ah, mais d'accord, lui en bas il me désactive tout le bordel! Ok, je commence à comprendre petit à petit, on va s'y faire. Hein. Ah d'accord, ok. Non mais si vous faites des vannes quand mon cerveau est déjà en surchauffe plus que mon processeur, on va jamais s'en sortir. Ok, en fait le petit switch du bas me fout un bordel monstre. Non, calmez-vous là, le mec il porte... salut Aidan Nakrin. Voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est que Jean-Bernard en bas, là, qui s'énerve de suite, là, voilà, on va le calmer. Pareil pour son frère, Jean Cobalt, on va juste le mettre là. Ouais, je sens très bien hein, qu'il remplira sa fonction en merveille, j'en suis sûr. On sera tous ravis au gouvernement de sa prestation de ce soir. Oui. Est-ce que tu peux marcher plus lentement? Genre, t'en as rien à branler, mais vraiment, vas-y. Truc, c'est que là,
putain, mais il y en a un des deux forcément qui doit avoir une utilité de ouf. Le truc, c'est qu'il faut pas que je reste là, en fait. C'est-à-dire que toi, tu vas venir comme un gland, je vais désactiver ta lumière, tu vas me lâcher ça, et il faut que de suite, je me barre, quoi. Faut pas que je traîne. On est d'accord, on fait ça? Ah non, mais, hey, commence pas. Tu sais très bien quel est ton rôle, toi. Tu viens, tu fais ça, quoi. Voilà, c'est pas dur, la vie, sérieux. Voilà, c'est toujours lui là-haut qui nous fait chier, hein. Lui, là, là. Oula. Voilà, je viens. Je t'allume le bazar. Ouh. Voilà. Ça, c'est une chose de faite. Maintenant. Alors, je sais que toi, tu vas faire ça comme il faut, mais toi, là. Ah non, mais faut que tu me laisses passer. Tu peux, s'il te plaît. Voilà. On arrête les âneries. Arrêtons le niaisage. Hein. Oh, putain, je me fatigue. La vérité, je me fatigue. Désolé pour le follow, je l'ai vu passer, j'ai oublié de dire merci. Mais je te fais un gros bisou quand même. Voilà, là, ce qu'on fait, c'est qu'on n'oublie pas qu'il faut appuyer là. Bon, j'ai progressé, j'ai envie de dire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le levier qui est là. Ok, je m'emmerdais pour rien, putain, j'ai réussi! Oui, d'accord. Voilà, YOLO. Clac, 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 clac. Voilà, Jean-Denis, si tu voulais bien juste monter. Aboubacar Jackie, là, tu te mets là-haut. Génial. Allez, c'est parti. Le lustre à 100 000 euros. En fait, c'était ça. Mais j'ai rien à foutre là-bas. On est bien d'accord, hein. Voilà. Ok, c'est super. Est-ce que j'aurais pas raté un truc? Non, mais j'ai raté un truc, c'est impossible. Là, y a rien, on est d'accord. J'ai dû rater une porte. Comme d'habitude, vous avez dû voir une porte que je n'ai pas vue. L'enjaillement est intégral. Ah, et là, il y a une lampe qui s'est allumée. Très bien. Parce que là-haut, on est d'accord qu'il n'y a pas de porte. Ou est-ce qu'il faut que je revienne en arrière, tout bêtement? Alors ça... Ce jeu est en train de doucement me rendre fou. Vas-y. Vas-y, est-ce que c'était ça le but du jeu? C'était de casser un lustre à 20 000 boules? Ah, parce qu'à mon avis, je pouvais pas avancer à droite. Je suis pas allé voir parce que je me suis dit, bah, je m'en fous, il y a une porte. Merci, Jamie. J'ai super bien expliqué. Et le but de tout ce bordel, c'était de casser ce lustre qui m'empêchait de passer. Ah, il y a les keufs. Là, je m'accroupis. Geste sécurité. La police arrive, je m'accroupis. En fait, c'est ça. Ouais. Putain, j'ai réussi! Le level design de qualité. Ah, là par contre je pourrais pas passer. À moins qu'il y ait un petit mignon qui vienne me faire des pouces café en bas. Voyons. Non.
Oh, je sens que ça va être du porte-à-porte. Je me trompe? Ça va être ultra chiant de chez Garnier, vous allez voir. Vas-y. Ok, first try. Seriously, how big is this place? First try. Je veux une vague de GG. You see the mob? The mob used to run this town, and our boys in blue didn't do much about it. I ran the beat with the best damn partner in the city. No matter what we did, they were untouchable. That is, until this lovely dame got caught in the middle of a shootout. Turns out she was engaged to a political up-and-comer. It wasn't lowlifes killing lowlifes anymore. Edward's fiance was high society, and his grief caught the attention of the entire city. Suddenly, it was open season on the mob. More like the Wild West. Payback for every scumbag who greased their way through the cracks. Dis donc, c'est que je me suis impressionné. Mais je perds ma voix aussi. Ah. Attends. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Ah, mais de toute façon, on peut reprendre. Ok. Parce que je pense que là, je suis doucement en train de perdre ma voix. Donc je pense qu'on va arrêter le live ici pour ce soir. Merci à vous, vous étiez tellement nombreux. 86% du jeu? Non, quand même pas. Non, c'est 86% de l'écran de chargement, Valakar, ça me fait pas des peurs comme ça. Si vous voulez, sûrement qu'on le refera, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, ce jeu, parce que moi je le trouve intéressant malgré le fait que le personnage se déplace comme un tractopelle. Je suis vraiment en train de perdre ma voix en fait, je suis désolé. Mais ce soir vous êtes 432, ça me troue le fion. Des deux côtés. Merci, tu fous ma gueule. Merci pour les follow, merci pour les dons. C'est très gentil. Demain soir, on se retrouve à la même heure. Vers 20h ou 21h. Sur la même chaîne. Je pense que demain soir, je ferai du Far Cry Blood Dragon. Parce que j'en ai fait il y a une semaine ou deux. Et j'ai un peu... j'en ai pas fait plus. Oui, 444, pardon. Oula, mon dieu. Et demain, du Far Cry Blood Dragon, ou du Day of the Tentacle, ou du Hearthstone avec les abonnés, je ne sais pas encore, moi j'aime improviser. Mercredi, on fait du Battle Block Theater avec Poppy. Et après, le reste, je ne sais pas encore, on fera peut-être sûrement du Paladin Ensemble, ou du Team Fortress. J'improviserai. Vous savez que je stream du lundi au vendredi, vers 20h ou 21h. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour le savoir. Un gros bisou à vous tous. Oui, Heroes of the Storm, il faudra bien qu'à un moment donné je m'entraîne parce que Poppy est en train de prévoir éventuellement un tournoi là-dessus. C'est encore un projet, on n'est pas défini. Mais oui, Heroes of the Storm, il me semble que c'est gratuit, donc pourquoi pas m'entraîner et me faire bourriner la gueule par tout le monde, ça sera génial. Peut-être pas de suite, hein. Ça viendra peut-être plus tard, mais il y a des projets là-dessus. Mais je vais vous trouver des trucs à streamer, n'oubliez pas, du lundi au vendredi. Ça commence vers 20h ou 21h sur cette chaîne, abonnez-vous, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne semaine, j'ai envie de dire. Voilà, des bisous.